Hey, ça, je devrais pas dire ça. J'ai toujours des affaires que je dis ici, mais. Non, non, je crois. Quand je travaillais avec Dominique Arpin dans l'émission de Paul Arcand, il avait fait la une d'une revue. Ben, Chris, ils avaient tout acheté au dépanneur. Ah oui. Moi, j'ai jamais été là-dedans de ma vie, je pense. Il avait acheté toutes les copies. Ouais. Toutes. Il en avait comme sept dans son bureau. Pour qu'il soit sold out. Non, non, parce qu'il avait fait la une. Non, non, mais je veux dire, il est arrivé au dépanneur, puis il avait sept séjours avec sa femme. Ouais. Il a acheté les sept. Probablement que c'était pour donner à ses parents, ou j'espère pas trop, mais c'est... Il y en a combien de parents? Après, il y a combien? Tabarnak. Quel cadeau de merde d'un séjour. C'est moi qui est fucked up que j'ai juste un père. Ça, j'avais trouvé ça intense. Puis l'autre intense, c'était... comment il s'appelle... Voyons, on a 10-4. Claude Poirier. Claude Poirier. Ah ouais. Dans son bureau, Claude Poirier avait juste des unes de lui partout. Ah ouais. Ah ouais, mais regarde, il devait être jauni en tabarnak. Sans ta cigarette. Un peu comme lui, je te dis. Hey. Mais tu sais, il faut quand même que tu te détestes pas beaucoup pour voir ta face. Tu sais, comme, oh, c'est moi. Partout. Moi, Claude Poirier, je m'étais pogné avec lui. Ah, c'est-tu que j'aime ça, ces affaires-là? Ah, c'est-tu que je l'ai. Pourquoi, maintenant? Je l'haïssais. Moi, je l'aime, c'est-tu que je l'haïssais. Moi, dans le temps, mon premier scandale, c'était par rapport à une joke de la petite Cédrica. Ah, oui. Moi, ça, ça avait fait de la marde en tabac. N'importe quel. Les gens, c'est 10. Ah ouais. Les succès souvenirs. Je suis comme un vieux chanteur. Je suis comme Michel Louvain qui fait, à l'époque, il fait « Je vais faire la dame en bleu. » Ah ouais. Ah ouais, la dame en bleu. Mais toi, c'est plus wrong. C'est comme Cédrica. Mais tu sais, j'avais une joke sur la petite Cédrica. Puis, j'avais fait cette joke. Non, t'avais une joke sur le mystère du revenu. C'est une joke sur Revenu Québec. Ouais, c'est ça. Là, puis, la raison pourquoi, moi, je pensais que c'était correct, la joke. Elle était bonne encore, cette joke-là, je m'excuse. J'avais fait un show, le partner à mon gérant, son meilleur ami, c'était le parrain à petite Cédrica. Puis, lui... Parrain. Le parrain. OK, OK, OK. Le parrain. Pas comme la mafia. Pas la mafia, là. Tu sais, mais tu sais, fait que dans la gang, il y avait un lien. Et là, il m'avait booké pour aller faire un show pour le mariage du parrain à petite Cédrica. Hein? Quand ça faisait. Tu t'as fait ce joke-là au mariage. Ça faisait comme un 7-8 mois qu'il était kidnappé. Okay. C'est ça qu'il faut que tu dises là-dedans! Ouais. Non, mais attends, j'ai la suite de ça, moi. Là. J'ai fait ce gag-là au mariage. Puis, sur le coup, ça fait... T'as-tu passé ou... Ça rit fort parce que le monde catchait que c'était pas... Je riais pas. De la petite fille, je riais. Il y avait un hey, merci. Degré, je riais. Tu de la bière, t'sais? Ouais, il y a un peu de bière. Bière au steak. Fait que je riais pas de la petite fille. Fait que là, je me disais, OK, si l'entourage de cette petite fille-là l'accepte, je suis correct. Fait que là, j'ai commencé à faire cette joke-là en show. Je fais un gala juste pour rien. Je fais ce gag-là. Je finis. Puis ça, c'était dans les années que, à cette heure, quand je vais dans un gala, tu sais, je suis un vieux pro, tu sais, que le monde me connaisse depuis 1000 ans. Fait que je pourrais chier sur scène, j'aurais un standing. Mais à l'époque, il fallait que je sois drôle pour avoir un standing. Puis là, je fais mon affaire, j'ai un standing. Et je suis tellement fucking naïf. C'était le gala à Jean-Marc Parent. Je débarque de sur scène, puis dans le temps, il y avait Jacques Chevalier, tu sais, qui t'attendait, puis t'as posé des questions. Et l'affaire, j'ai fait, Chris, je suis devenu Michel Barrette. Je suis devenu Michel Barrette, c'est des astuces d'anecdotes de motorisé, puis je suis grand public, puis là, moi, je m'en vais chez nous, lendemain, des bonnes critiques, la vie est belle. Personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Une couple de semaines après, il y a un article dans le Journal de Montréal qui dit juste, « Hey, il y a eu plusieurs humoristes dans le festival qui ont parlé de la petite Cédrica. » Et là, ils nomment trois jokes, mais ils disent pas quel humoriste a dit les jokes. Puis il y avait deux des jokes, c'était dans le show « Les Zones interdites ». Et moi, fait que là, ils disaient, « Dans Zones interdites, ils ont dit ça. » Et il y a aussi Mike Ward qui a dit une joke. Fait que là, le monde lit ça. Ils font « Chris à Mike Ward, à cette salle. » Et là, Claude Poirier, il animait son show « Le vrai négociateur » à LCN. Il rouvre son show en appelant. Il était pas content. Puis, c'est pas un vrai négociateur. Mais il appelle... On aura appris ça à soir. Il appelle le grand-père de la petite Cédrica, puis il dit « Hey, on a appris dans le journal ce matin que Mike Ward riait de votre petite fille. Qu'est-ce que vous pensez de ça? »
qu'est-ce que tu penses qu'il dit? Tu te fais réveiller par Claude Poirier dit « Hey, ta petite fille qui s'est faite kidnapper, l'autre il y a un esti de colon qui rit d'elle, fait qu'il a dit « Ben, j'aime pas ça! » Fait que là, ça devient intense. Il est allé au mariage, le grand-père? Le grand-père était pas au mariage. Il était pas au mariage. Puis, fait que là, moi, en plus, cette histoire-là est absurde, là. Moi, mon père, il se faisait opérer au cœur à peu près dans ce temps-là. Il venait de se faire opérer au cœur. Puis, c'était le jour qu'il fallait qu'il sorte de l'hôpital. Puis, ça prenait quelqu'un qui allait le chercher. Fait que là, moi, je m'en allais à Québec le chercher. Fait que là, moi, je m'en vais. Je pars de chez nous. Je restais à Saint-Jean à l'époque. Je pars de chez nous. La vie est belle. Tout est tranquille, toi, là. Il n'y a pas personne qui... Là, Michel m'appelle, puis il est comme, « T'as arnaque, hein, Chris? T'as-tu vu dans le journal? » J'ai fait, « On s'en calisse. » Puis j'ai fait une joke. J'ai fait, « On s'en calisse. » Ce monde qui lit le journal de Montréal, ils ne savent pas comment lire. Fait qu'on est correct. Ouais, mais Michel, il sait lire, lui. Ouais, fait que là, moi, je roule. Puis là, il m'appelle, puis il est comme, « T'as arnaque, Claude Poirier. » Il a appelé le grand-père, puis je fais comme, « Ah ouais, peut-être. » Puis là, j'allume la radio et toutes les toutes, ils parlent juste de moi. Puis moi, je m'en vais chercher mon Christ de père qui vient de se faire, qui a 80, à l'époque, il avait 81 ans. Le qui tabarnak. Est tout recousu, le tabarnak. Le tabarnak. Le Christ de à moitié mort. Ouais. Fait que là, je m'en vais, j'arrive à l'hôpital, puis là, là, je suis comme stressé, puis je veux pas le dire à mon père, je veux pas qu'il vive ce stress-là. Tout le monde te pointe du doigt. Moi, j'arrive, puis là, j'ai une calotte, des lunettes fumées, j'ai de l'air, en tout cas, je rentre, je vais chercher mon père. T'as l'air de kidnapper ton père. Ben, tu te réchauffais pour les années à venir. Puis après, tu sais, mon père, je le rentre dans le char, puis j'y dis pas. Puis là, à chaque fois, j'arrête en lumière. Tout le monde me regarde. Puis aussitôt que le monde dise mon nom, je passe à rouge, puis avec ton père fraîchement cousu. Mais je dis à mon père, je fais, ça me tente pas de me faire achaler. J'y fais comme si je suis une petite diva que à Grèce, là, trop connue pour Québec. Je l'ai ramené, j'ai ramené mon père chez eux. Puis après, lui, il pensait, si je suis parti de quasiment de Montréal pour aller à Québec, l'amener chez eux, il pensait que j'allais rester au moins 20 minutes. Mais j'ai fait, j'ai de quoi à Montréal, faut que je retourne. Quand je suis arrivé chez nous, j'avais du monde. Moi ma rue à Saint-Jean. T'as pas eu du monde, des manifestants, tu sais. J'avais des manifestants. Moi, dans le temps, je restais une petite rue résidentielle, mais avec un terre-plein. Puis j'avais du monde sur le terre-plein, assis sur des petites chaises pliantes, qui regardaient ma maison. Sa blonde avec le bâton, Mais Chris, il t'attendait pour te dire quoi? Trop de cul, c'est chier! Puis le pire, moi, je suis arrivé chez nous, puis là, j'étais comme... Si je regardais, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Puis là, je sortais pour juste leur parler. Puis aussitôt que je sortais, ils faisaient comme s'ils étaient juste là. Chris, on est ici à regarder des oiseaux. D'un coup, qu'il y aurait un feu d'artifice. Ouais. Puis après, j'ai appris, genre, plusieurs années après, il y avait quelqu'un que je connaissais qui avait des contacts dans les Hells, qui avait mis des Hells à chaque coin de rue, qui watchait ce monde-là. Fait que ce monde-là watchait, puis les Hells watchaient ce monde-là. Ouais, on est mieux d'avoir de notre part. Non, c'est ça. Fait toujours bon d'échapper à la conversation que t'es chum avec des Hells. Ah, c'est pour ça que le monde... Mais c'était weird. Parce que moi, j'étais comme, c'est fucking weird que tu sais, tu prends la peine d'aller chez quelqu'un avec une chaise pliante. C'est pas des feux d'artifice. C'est comme... Surtout que j'ai pas de l'air tough, là, tu sais. Tu sais, ça, c'est Claude Poirier, mais comme Yves Poirier, ces jours-ci, là, tu sais, lui, Yves Poirier, il est faim en tabarnak, Yves Poirier, là, tu sais. Tu sais, comme, mettons, Bois Clark, c'est dégueulasse qu'il a fait, il est condamné, il va aller en prison. Il est obligé de jouer au football avec, il est comme, sais-tu ce qu'il devrait faire? Il posait des questions intelligentes, tu sais. Les vegans, à cette heure, on est contre pogner, mettons, le festival du cochon. Ouais. De pogner un cochon. On devrait pogner Yves Poirier à la place. Parce que. Graisser Yves Poirier puis le pogner. Graisser Yves Poirier. Calice. Quand il est allé voir André Boisclair, il est comme. Oup, oup, Chris, il passe entre les jambes, il danse à côté. Écoute, il a fait une mise en échec. Il l'a bloqué. Alors, il est magique.